Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de cheesecake au citron vert sans cuisson. Je vous invite à regarder les ingrédients dans la description sous la vidéo. Tout d'abord, conservez le fromage à température ambiante pendant au moins une heure avant l'utilisation. Puis préparez un moule à gâteau avec un fond amovible en mettant du papier aluminium. Pour information, le moule que j'utilise est de diamètre de 18 cm. Ensuite, nettoyez bien les citrons verts avec du bicarbonate de soude sous l'eau courante. Concassez 40 g de spéculoos et 40 g de biscuits digestifs. Vous pouvez bien sûr utiliser seulement des spéculoos ou des digestifs ou même d'autres biscuits selon vos goûts. Faites fondre 40 g de beurre au micro-ondes pendant environ 15 secondes. Mélangez bien les biscuits moulus et le beurre fondu. Voilà, la préparation pour la base du cheesecake est prête. Dans le moule, renversez la base et puis tapissez-la bien avec une spatule ou le dos d'une cuillère. Réservez-le dans votre frigo pour le laisser durcir pendant la préparation de la crème du cheesecake. Mélangez 6 g de gélatine en poudre et 30 g d'eau et laissez reposer pendant 5 minutes. Mettez 200 g de fromage Jean Philadelphia dans un grand bol. Ajoutez les zestes en citron vert et son jus, ainsi que 70 g de sucre et mélangez bien. Chauffez la gélatine fondue au micro-ondes pendant 10 secondes. Ajoutez-la au bol et mélangez bien de nouveau. Ajoutez 90 g de yaourt grec, 150 g de crème liquide et 50 g de crème aigre. Et fouettez bien. Versez la crème sur la pâte à biscuits. Ça sera la forme finale de votre gâteau. Vous devez donc bien l'étaler. Conservez une nuit au frigo. C'est le lendemain. Passez un couteau soigneusement sur les bords. Râpez le zeste en citron vert partout. Voilà, notre cheesecake est prêt à être dégusté. C'est vraiment très bon. Si possible, faites la recette telle quelle, vous goûterez l'un des meilleurs cheesecakes de votre vie. C'était ma deuxième vidéo en français, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Merci de votre visite et très belle journée à tous. À bientôt!